Ah, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 27 décembre 2020, 19h38, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, mais vraiment mal. Et c'est pas demain la veille que ça va aller mieux non plus. Mais on le savait, ça. On s'est parlé entre nous autres, on s'est prévenu que les années à venir seront extrêmement, extrêmement difficiles à traverser. La fin d'année est là, hein? Il ne nous reste que quelques jours, mais 2020 aura été une année qui aura marqué chacun d'entre nous au fer rouge. Et c'est pas fini, il nous reste encore 4 jours, et je peux vous dire une chose, ça sent mauvais. Je vous ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui de scientifiques qui rapportent que la Terre augmente son rythme de rotation et que ça pourrait diminuer les... La séquence des tremblements de terre, je peux vous dire une chose, ça sent mauvais. Ça sent très, très mauvais. Ça sent, mais vraiment, très mauvais pour la fin d'année. J'ai peur. Tout ce qui nous manque, c'est une grande catastrophe. On va aller faire un tour, justement, sur les tremblements de terre récents des dernières heures. L'est de la Turquie secoué par un séisme de magnitude 5.3. Ça, c'est un abonné qui m'a mentionné ce tremblement de terre-là ce matin. Puis j'ai trouvé le lien, finalement, j'ai trouvé un lien. Un tremblement de terre d'une magnitude de 5.3 quand même. 5.3 secoue la province d'Elazig dans l'est de la Turquie. Un tremblement de terre d'une magnitude de 5.3 a secoué dimanche la province d'Elazig dans l'est de la Turquie. Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a tweeté qu'il n'y avait pas eu de rapport immédiat de victimes ou de dégâts. Tant mieux. Le séisme a frappé à 9h37, a déclaré la direction de la gestion des catastrophes et urgences en Turquie. Donc, tremblement de terre de 5.3. Pendant ce temps-là, la veille de Noël, plus d'une douzaine de tremblements de terre ont été signalés à Porto Rico, dont un qui mesurait 4.8. Quand même, c'est pas rien. Porto Rico, on sait qu'il a été frappé par plusieurs tremblements de terre cette année. Dès les premières heures de la matinée de jeudi, jeudi 24 décembre, une série de tremblements de terre ont été enregistrés à Porto Rico, de magnitude 2.1 au plus récent, à 12 heures, d'une magnitude préliminaire de 4.8 sur l'échelle de Richter, suivie d'environ la moitié, une demi-heure plus tard, avec un 4.7. Le réseau sismique de Porto Rico a enregistré des mouvements de terre dans le sud depuis tôt ce matin. Aucun n'a provoqué d'alerte au tsunami, mais les habitants de l'île se sont montrés préoccupés par les tremblements de terre qui ont commencé en décembre 2019, hein, et ne se sont pas arrêtés depuis lors, bien qu'ils aient diminué d'intensité. Donc, ça fait depuis 2019 que Porto Rico est frappé par des tremblements de terre assez inquiétants. Le premier tremblement de terre s'est produit à 1h02 avec une magnitude de 3.3 dans la région de Guanica. L'épicentre de ce phénomène naturel était à 10,9 km au sud-est de Guanica avec une profondeur de 12 km. Le tremblement de terre de la plus forte intensité a été signalé à midi avec une intensité de 4.8 selon le Red Sismica. L'épicentre était situé sur l'île des Caraïbes près de la zone sismique où les tremblements de terre sont concentrés. Maintenant, on s'en va au Chili avec un tremblement de terre très puissant, 6.7, qui vient d'arriver il y a quelques heures au large de Los Lagos. Peu profond en plus. Un séisme fort et peu profond enregistré par la USGS sous le nom de M6.7 a frappé au large de Los Lagos au Chili à 21h39 le 27 décembre, donc aujourd'hui 2020. À 18h39. Donc, ça fait vraiment pas longtemps que ça s'est produit. L'agence rapporte une profondeur de 10 km. L'épicentre était situé à 140 km à l'ouest de Corral, une population de 3500 habitants, à 152 km à l'ouest de Valdivia, une population de 134 000 habitants, et 154 km à l'ouest de Las Animas, une population de 30 000. Il y a environ 4 000 personnes vivant à moins de 100 km de l'épicentre. On estime que 6 000 personnes ont ressenti des tremblements de terre modérés et presque 1 million ont senti plutôt légers. Quand même, hein? Wow! Beaucoup d'activités. On va aller voir ça, les derniers séismes. Donc, Philippines, 24 décembre, 6.3, hein? 27 décembre, le Chili,
Valdivia, 6.7, c'est ce qu'on vient d'aller voir. Au Vanuatu, 5.4 aujourd'hui. 3.8 à Willows, en Californie, près de Sacramento. 3.8. 27 décembre, toujours au Pérou, au large de Chala, 5.7, 5.5, le fameux tremblement de terre dont on a parlé au début en Turquie. 25 décembre, aux Philippines, 5.5. Puerto Rico, c'est ceux dont je vous parlais tout à l'heure dans l'autre article, la veille de Noël, le 24. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu plus d'une douzaine. Donc, celui de la Turquie et celui aussi majeur du Chili. Chers amis, c'est sans compter le nouvel essaim de tremblement de terre sous le volcan de La Cumbre Vieja à La Palma, aux îles Canaries. Est-il le signe d'un méga tsunami à venir? Wow! Je vous dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment mauvais pour la fin d'année. Plusieurs essaims ou séismes, ou séries de séismes, ou séries sismiques, pardon, ont été enregistrés sur le volcan Cumbre Vieja à La Palma, aux îles Canaries, ces dernières années. La première grande crise s'est produite en octobre 2017, suivie d'une autre crise sismique en février 2018. Pendant ce temps, 2020 nous a donné 4 essaims sismiques. Le dernier essaim a commencé le 23 décembre, donc très récemment, à 21h26, et s'est terminé le 24 décembre à 21h29. Au cours de ces 24 heures, plus de 602 secousses sont secouées. La zone a une profondeur d'environ 30 km. Et le plus grand séisme ayant une magnitude de 2.3. Cet essaim sismique est un signe de trouble. Et une telle activité accrue rend les scientifiques fous, car tout le monde sait que l'effondrement de ce pic volcanique pourrait tuer des millions de personnes en Europe et le long de la côte est de l'Amérique du Nord. Vraiment inquiétant. Wow! Je vous laisse les liens, vous allez voir, il y a des animations de ce fameux méga scénario de méga tsunami de La Palma Landslide. Wow! Quand le volcan Cumbre Vieja s'effondrera-t-il? L'effondrement du flanc ouest du volcan sur la moitié sud de La Palma ne se produira pas demain ou la semaine prochaine, sans avertissement. Son effondrement est susceptible de se produire à tout moment au cours des quelques milliers d'années à venir. Donc, ça peut être n'importe quand à partir de maintenant, dans les milliers d'années à venir. Donc, ça pourrait être demain matin aussi. Wow! La Palma s'effondrera au moment d'une future éruption volcanique au sommet du volcan. Sa dernière explosion remonte à 1949 et il se produit en moyenne tous les 200 ans. Cela peut donc durer plusieurs décennies avant la prochaine éruption au sommet. L'effondrement ne se produira pas nécessairement lors de la prochaine éruption au sommet et il faudra peut-être 5, 10 ou plus d'explosions avant le méga tsunami. Quelles conséquences ces effondrements auraient-ils? Le flanc ouest du volcan glisserait vers l'ouest dans l'océan Atlantique, créant un méga tsunami, une vague gigantesque qui se déplacerait régulièrement vers l'ouest. Les États-Unis, les Bahamas, les Caraïbes seraient gravement touchés par d'énormes vagues d'une hauteur de 50 mètres. Comment éviter l'effondrement du volcan? Rien ne peut être fait pour arrêter l'effondrement de La Palma ou Las Palmas. Une surveillance, une alerte et une évacuation appropriée sont les meilleures mesures. Wow! Pour se préparer à cette catastrophe. Imaginez, c'est une autre menace, là je ne la connaissais pas vraiment. Là, je viens de la découvrir avec vous. Wow! Vraiment pas de tout repos. Sans compter toutes les autres tempêtes majeures qui frappent en ce moment. La tempête tropicale Chalan, la tempête Bella, des conditions de blizzard dans la côte est des États-Unis, beaucoup d'explosions dans le ciel. Tempête inhabituelle de neige aussi, qu'on a eu. Alerte élevée au volcan Hudson, au Chili. Nouvel essaim de tremblement de terre, on en parle ici, à Vieja La Palma. Je peux vous dire une chose, l'Etna qui est en activité, le fameux séisme ici, le nouvel essaim aux îles Canaries. On n'est pas. Tremblement de terre qu'il y avait eu aux Philippines aussi le 25 décembre, des inondations meurtrières à Rio de Janeiro, juste pour vous le rappeler, le 24 décembre 2020. Conditions de blizzard aux États-Unis, des spectaculaires boules de feu explosent au-dessus de villes chinoises, vagues de froid meurtrières continuent de balayer le nord de l'Inde, et le fameux volcan Kilauea qui, lui, lâche pas et a recommencé vraiment.
son cycle, comme on l'avait vu il y a 2 ans, toute une aventure qui nous attend. Augmentation de la sismicité du volcan Hudson, les fontaines de lave à l'étenant, tempête géomagnétique qu'on a eu le 24 décembre et 23 décembre, des astéroïdes, forte éruption au volcan Chevelouche, 22 décembre. Je peux se dire, chers amis, que augmentation de la rotation de la Terre ou non, waouh, il y a de l'activité et on est dans une spirale infernale. Et j'ai vraiment peur que ça se termine de façon dramatique. Espérons-le que ça se termine de façon heureuse, cette fin d'année et début d'année 2021, mais le pire nous pend au bout du nez.